Merci d'être venus nombreux ce soir à cette conférence. Alors, certains d'entre vous m'ont dit, comment se fait-il que vous faites des conférences scientifiques à Néoul? Parce qu'on a un grand scientifique à Néoul, qui est Marc Ledoux, qui est l'organisateur qui va proposer quelques séances, c'est la troisième, je crois, Marc. Et donc c'est un vrai succès et j'en profite pour le remercier. Je voudrais remercier aussi notre conférencier de ce soir et lui dire, monsieur Laine, l'honneur que vous nous faites à la fois à la commune et puis compte tenu des élus que j'ai aperçus, passe tout le sud du Var. Alors Jean-Marie Laine, prix Nobel, normalement ça suffit, hein. On n'a pas besoin d'en dire plus dans un CV. Il se trouve qu'il y a longtemps, c'était dans les années 79 ou 80, j'étais à Oxford et on était dans un laboratoire où à 11h du matin, nous buvions tous le thé, tous les chercheurs du coin ont bu le thé. Et un jour arrive un professeur qui a eu le prix Nobel depuis d'ailleurs de Californie, je cacherai son nom pour être gentil, et on se présente et j'ai dit voilà, je viens de Strasbourg. Alors il me dit, ah oui, alors je vous le dis pas en anglais, je vous le dis en français, ah oui, l'université où il y a Guy Ourisson et Jean-Marie Laine. Jean-Marie Laine, c'était 10 ans avant son prix Nobel. Hein. Alors j'ai dit, oui, c'est ça. Alors il m'a dit, ah, ça doit être fantastique de travailler dans la ville où est né Mozart. Oui, Strasbourg. Pour un Californien, c'était pas... Mais ça voulait dire quand même que 10 ans avant qu'il ait le prix Nobel, il était déjà connu plus que Mozart en Californie. Oui. Je voudrais d'abord remercier Marc de m'avoir invité ici. Bon, alors ce que je vais essayer de faire ce soir, c'est, j'aime bien le faire, c'est de parler à un public plus large, essayer de présenter un peu ce qu'on fait dans les labos, mais dans un cadre beaucoup plus général. Je ne veux pas vous ennuyer avec trop de techniques, mais quand même, je veux vous parler d'un domaine qu'on appelle la chimie, et qui, dans le grand public, a une image pas toujours très rose, mais je veux vous convaincre quand même que sans chimie, vous ne seriez pas là. Quand je fais une conférence de ce genre, et je commence par eux, cette partie de la matière à la vie, alors là, c'est très intéressant. Chimie, point d'interrogation, là, on commence à se dire, ouais, bah, oui, qu'est-ce que ça va avoir? Ben, la réponse à ce point d'interrogation, c'est effectivement que la chimie est fondamentale dans ce passage de la matière à la vie. Pour ça, on va commencer très, très, très tôt. Il y a 13,7 milliards d'années. Il y a 13,7 milliards d'années, il y a eu l'explosion initiale qui a donné naissance à notre univers. Il y en a d'autres sans doute, mais à notre univers. À ce moment-là, il n'y avait pas de chimie. Tout à fait au début, il n'y avait pas de chimie, il faisait beaucoup trop chaud, il y avait de l'énergie, il n'y avait pas de particules. L'univers s'est refroidi, des particules se sont formées, et ensuite les particules se sont groupées pour faire des atomes. C'était en quelque sorte l'âge. C'était l'époque de la physique, les lois fondamentales de l'univers, l'évolution initiale de l'univers. La matière qui s'était formée, donc ces particules, ont commencé à se grouper, les atomes à former ce qu'on appelle des molécules, donc des agencements d'atomes, et ceci a conduit à l'apparition d'ensembles, d'atomes qui se sont accrochés les uns aux autres. Et la chimie a commencé à peu près à cette époque-là dans l'univers, quand des molécules ont pu se faire, c'est l'âge de la chimie. Ces molécules ont constitué des espèces de plus en plus complexes, je reviendrai un petit peu là-dessus, par quel mécanisme ça a pu se faire. On définit des domaines, qu'on peut appeler des protocellules, des choses qui existaient avant les cellules de la vie. Sont devenus de plus en plus complexes. À un moment donné, est apparu ce phénomène que l'on appelle le phénomène de la vie. À peu près à cet endroit-là, à ce moment-là, la vie est apparue sur notre planète. C'est l'âge de la biologie. Ça ne s'est pas arrêté là non plus. Ces organismes dits vivants ont continué à évoluer, ont produit des espèces de plus en plus complexes à partir des monocellulaires, des organismes vivants les plus simples jusqu'au plus compliqué. Et pour nous, le plus compliqué que nous connaissions, c'est évidemment l'être humain qui a une autre propriété qui est d'ailleurs beaucoup plus importante que la vie elle-même, c'est la pensée. Cette évolution est l'évolution de l'univers, de la matière à la vie. Et c'est de cette façon-là que, dû de l'explosion initiale, le Big Bang, comme on l'appelle,
on a été amené à penser, à être sur cette planète, vivre sur cette planète, à y penser. Mais on peut se demander comment est-ce que ça s'est fait? Quels sont les paramètres qui permettent de définir éventuellement ceci? Si on se dit qu'en fonction du temps, il y a deux paramètres qu'on peut choisir, la complexité de l'objet matériel et l'information que contient cet objet. En quelque sorte, la complexité est une façon de représenter, de parler d'information. Initialement, la matière était divisée. Elle est devenue ensuite condensée, les choses se sont mises ensemble, divisées c'était les particules, ensuite elles se sont mises ensemble, puis elle est devenue organisée, puis elle est devenue vivante, ensuite elle est devenue pensante, et par-delà, ça peut être quelque chose. Il est très difficile de penser par-delà à la pensée, mais on ne peut pas exclure qu'il y ait quelque chose de plus complexe. Voilà donc l'évolution de façon simplement représentée par des termes qui spécifient la complexité des objets en question, comment, sous la pression de ce qu'on pourrait appeler l'information, c'est comme si certains objets étaient devenus de plus en plus complexes, de plus en plus informés. De cette façon-là, donc, que nous sommes arrivés sur cette planète. Alors, j'avais montré sur la diapo précédente le penseur de Rodin. Et le penseur de Rodin était au bout de l'image. Le penseur de Rodin, en quelque sorte, c'est l'être humain. Mais en même temps, ça montrait que ça ne va pas s'arrêter là. Je crois que c'était le port de l'image, mais ça ne veut pas dire que ça va s'arrêter. Tel que nous sommes un point dans l'espace et dans le temps. Et ça va continuer à évoluer. Je ne pense pas, de nos jours, beaucoup de personnes aiment dire, voilà, on va s'arrêter, on ne va surtout plus bouger. Ça ne s'arrêtera pas, ça va bouger, et dans 100 000 ans, on ne sera certainement pas les mêmes. C'est ma conviction. Et si ce n'est pas nous, c'est sur d'autres planètes. Donc je crois qu'il faut relativiser toute cette évolution et se rendre compte que nous occupons une place dans l'univers, que nous avons la faculté extraordinaire d'essayer de comprendre l'univers dont nous sommes issus, mais que nous n'arrêterons pas l'évolution de l'univers. Bien que maintenant, l'autre propriété de l'évolution, nous allons pouvoir la prendre en main, c'est-à-dire déjà le cas. Mais on reviendra là-dessus vers la fin de la conférence. Quelle est la question la plus importante alors que l'on peut se poser? La question qu'on va appeler primordiale un peu dans l'esprit du Big Bang. C'est une question simple, mais dont la réponse évidemment n'est pas connue. Comment la matière devient-elle complexe? De la particule élémentaire jusqu'à l'organisme pensant. Pour ce faire, nous allons créer ce qu'on appelle la science. Pour essayer de comprendre comment ça a pu se faire. Parmi les sciences, d'une part, la physique s'occupe des lois de l'univers, des lois générales auxquelles obéissent tous les autres phénomènes et qui contrôlent tout. Notre façon de vivre, notre façon de penser, tout ce qui nous entoure. Mais ce sont des lois très générales. La biologie s'occupe des règles de la vie, ce ne sont pas des lois, ce sont des règles de la vie. Et ces règles de la vie, et cette vie, est une expression spécifique des lois générales. La question qui se pose alors, comment est-ce que des lois générales peuvent conduire à une certaine expression bien spécifique? Et ceci, c'est un peu le travail, la mission de la chimie, d'essayer d'établir le pont entre les lois générales de la physique, une expression bien spécifique de ces lois qui, sur notre planète, sur les organismes vivants que nous connaissons, les organismes pensants que nous sommes, mais qui, sur notre planète, peuvent être d'autres formes de vie, de pensée, et avec la découverte d'exoplanètes depuis une quinzaine d'années, de plus en plus d'exoplanètes sont connues, qui ont des conditions qui sont probablement proches de celles de la Terre. Il y a très probablement aussi des êtres vivants et probablement aussi pensants sur notre planète. La réponse à cette question, c'est quoi?
ce passage vers une organisation de plus en plus complète. Quelle est la réponse à cette question? Comment peut-on passer de la matière divisée à la matière pensante? La réponse est connue, mais simplement par un mot. Évidemment, ce mot n'est peut-être pas suffisant, mais il explique en quelque sorte le concept derrière, explique tout, c'est l'auto-organisation. Cela veut dire que cela s'est fait sur la base des lois qui régissent notre univers. Et on peut même dire que cette auto-organisation est une espèce d'impératif cosmique. Ça se discute, et ce n'est pas un résultat qu'on peut appeler scientifique, c'est-à-dire qu'on n'a pas eu de contrôle pour le prouver, mais on peut, et c'est ma conviction, expliquer, non, puisqu'il n'y a pas encore d'explication fondamentale, mais penser que l'apparition de formes complexes de la matière comme des êtres pensants est le résultat nécessaire des lois de notre univers. Et les cosmologistes nous disent probablement il y a d'autres univers que le nôtre, tout à fait différents, on n'ira jamais voir. Donc c'est de la poésie, dans un sens. C'est la poésie de dire qu'il y a d'autres univers, personne n'ira jamais contrôler. Mais cette auto-organisation est une espèce d'impératif cosmique, dans ce sens que les lois de notre univers sont telles que ça devient nécessairement, en certains endroits, de plus en plus complexe. Alors voyons un petit peu plus cette auto-organisation. Pour l'instant, les physiciens ne nous ont pas donné une théorie unitaire qui allie à la fois la physique quantique et la relativité. Et pour l'instant, il faut encore voir l'auto-organisation de deux manières. D'une part, l'auto-organisation à grande échelle, l'organisation cosmique, qui s'est faite, pense le cosmologiste, par l'action des forces de gravitation sur, au début, juste après l'explosion originelle, sur des différences de vitesse d'expansion de l'univers et des différences de densité locale. Et les forces de gravitation agissant là-dessus ont donné naissance ensuite aux galaxies, aux étoiles, etc. Mais c'est pas ce qui nous intéresse, parce que, après tout, à cette échelle, ça ne nous concerne pas trop. Ce qui nous concerne plus, c'est évidemment l'organisation de la matière dont nous sommes faits nous-mêmes. Et nous sommes faits de briques, sur lesquelles je reviendrai, qui sont liées entre elles par des forces électromagnétiques qui génèrent, un peu comme François Jacob disait, par bricolage moléculaire, des assemblages qui se font et qui obéissent aux principes de base de la physique, et qui vont donner naissance progressivement à des formes de plus en plus complexes, je reviendrai là-dessus, vous allez le voir, et qui ont donné lieu à l'auto-organisation de la matière non vivante et subséquemment de la matière vivante. Alors une première observation est que avant que la vie n'existe sur Terre, il a fallu nécessairement, peut-on dire, qu'il y ait une évolution pré-biotique, d'avant la vie. On ne peut pas vraiment, il est difficile d'imaginer qu'il y ait eu passage direct d'une particule ou d'un atome à un organisme vivant et pensant. Donc il y a eu progressivement une complexification des objets matériels, des molécules, jusqu'au moment où on arrive à des complexités qui vont conduire au seuil de ce qu'on appelle la vie. Alors là, il y a encore ce passage qui est évidemment quelque chose de très intéressant. Pour l'instant, on connaît les composants de ce qui fait un être, qui fait la vie, mais on n'a pas encore réussi à passer, à faire le pas qui consiste en quelque sorte à créer une vie artificielle. Mais moi, je suis convaincu que ça viendra. Alors, la chimie là-dedans, dans cet ensemble de sciences, c'est que l'être humain a créé, pour essayer de comprendre ce qu'il fait là, quel est le rôle de la chimie? Bon, j'ai dit, la physique s'occupe des lois fondamentales de l'univers. La chimie s'occupe de comprendre la structure de la matière, comment c'est fait, et la transformation de la matière, comment on transforme les objets qui font la matière les uns dans les autres. Ça, c'est ça qui m'a, convaincu de devenir chimiste. Cette sorte de puissance créatrice qu'a la chimie de faire des objets qui n'étaient pas connus auparavant.
et aussi d'agir sur l'intrinsèque de la matière. Quand vous faites une manipulation chimique, vous changez intrinsèquement l'objet matériel en question. Vous modifiez la composition interne et vous avez vraiment une sorte de puissance sur ce qu'est l'objet matériel. Alors, comme dit, donc, on a essayé de comprendre. Pour essayer de comprendre, il faut voir de quoi c'est fait, quelles sont les briques. Il y a environ 2500 ans, dans un pays, la Grèce, mais d'autres, moi je prends maintenant, je vais vous donner une petite historique, j'ai choisi certains points qui sont très significatifs, mais ce ne sont pas les seuls. En Grèce, donc, on a commencé à se poser la question, de quoi c'est fait, cette matière qui nous entoure. Empédocle a proposé qu'il y avait quatre éléments. Le feu, l'air, l'eau et la terre. Et la combinaison de ces éléments donnait des propriétés. La terre et le feu étaient secs, feu et air chaud, air et eau humide, eau et terre froid. Oh, c'est un peu primitif dans un sens, mais c'est un début. Mais il se trouve qu'au même moment, d'autres philosophes avaient déjà une vue beaucoup plus proche de la nôtre. Et évidemment, je pense que beaucoup d'entre vous doivent le savoir, c'est Démocrite, qui, à peu près au même moment qu'Empédocle, a déjà proposé que la matière était particulière, qu'elle était formée de particules qu'on ne pouvait pas réduire plus, atomos, qu'on ne pouvait pas rendre plus petit, qu'on ne pouvait pas découper plus les atomes. Alors évidemment, ce faisant, en proposant cela, Démocrite n'a pas découvert les atomes. En science, il faut prouver l'idée que l'on propose. Mais en même temps, il y a beaucoup d'observations, et Démocrite, il n'y a pas d'écrit de Démocrite qui soit connu. Ce n'est pas ses disciples qu'on connaît les réflexions et les idées de Démocrite. Mais il semblerait qu'il ait fait des observations. Et je peux facilement vous convaincre vous-même que n'importe qui doit pouvoir se dire que la matière n'est pas continue, qu'elle est discontinue. Vous prenez un verre d'eau, vous prenez un bout de sucre, un sucre, vous le mettez dans le verre d'eau. Qu'est-ce qu'il fait? Il se dissout. Si la matière était continue, il ne pourrait pas se dissoudre. Ça veut dire que ce n'est pas continu. L'un rentre dans l'autre, est intimement lié dans l'autre. Donc la matière ne peut pas être continue. Ce n'est pas possible. Sinon, ça serait l'eau, il y aurait le sucre, et ça resterait éternellement eau et sucre. Et je crois que cette simple observation, que n'importe qui peut comprendre, est une indication qu'effectivement la matière est pleine de vide, qu'elle est particulière, et que les objets matériels sont constitués de choses beaucoup plus petites, qui simplement ne sont pas accessibles à nos sens, mais qui sont beaucoup plus petites. Bon, alors voilà, on en est aux atomes. Et alors on va faire un saut dans l'histoire, parce qu'au fur et à mesure que les observations, les expériences se sont développées, on a commencé par remarquer qu'il y avait bien de ces objets qui étaient indivisibles en quelque sorte. Et par exemple, on a utilisé des méthodes, d'abord pour d'investigation, dont l'une des évidentes, et d'ailleurs ça rappelle aussi un peu Démocrite, c'était analyser les choses, avoir un truc complexe et le séparer à ses composants. L'une des façons de faire, c'est de cristalliser. Vous savez, quand vous avez une solution concentrée de sel de cuisine, à la fin, il y a des cristaux qui apparaissent. Une autre, c'est de distiller. Méthode très intéressante, n'est-ce pas? On pratique un peu partout. Et ceci, je voulais vous montrer ça quand même, parce que c'est intéressant de voir que ces méthodologies étaient bien connues déjà il y a fort longtemps, pas la distillation est connue très longtemps, mais là, c'était spécialement intéressant. D'une part, parce que je peux parler de Strasbourg, parce que l'un des premiers ouvrages sur la distillation, donc la séparation d'un mélange liquide complexe en ses composants, un des premiers des ouvrages était de Hieronymus Brunschwick. Alors ça s'écrit de différentes façons, parfois c'est Brunschwick, parfois c'est Braunschweig, parfois c'est Brunschwick. Liber de arte distillandi de simplicibus, das pur de rechten Kunst zu destillieren, das einzige Ding, les choses simples, 8 mai 1500, imprimé sur les presses de Johann Grüninger, qui était un élève de Gutenberg. Et ensuite, il a publié quelques 10 ans après, à peu près,
d'appuyer l'univers des artes dissidentes et des compositistes, donc des substances complexes, c'est celui-ci d'ailleurs, et qui a été aussi imprimé en 1512. Mais ce qui est intéressant, c'est que ce genre de distillation que les chimistes de la salle, c'est une distillation qu'on appelle fractionnée, on chauffe, on récupère les liquides et on les sépare. Donc ça, c'est très important quand vous avez un problème complexe, de d'abord de simplifier, pour essayer de comprendre de quoi c'est fait. Et c'était une démarche très importante dans le développement des sciences. D'ailleurs, à ce propos, puisque vous avez mentionné Mozart, un autre point très important, c'est de contrebalancer la théorie par l'expérience. Et une personne qui a beaucoup contribué à cela, c'était Paracels. Paracels est celui qui a dit il n'y a pas de poison, tout est dans la dose. Et en même temps, il a donc essayé d'introduire l'esprit empirique. Il a raconté beaucoup de choses qui, à l'époque, étaient peut-être intéressantes et tout, mais bon, maintenant, évidemment, on est assez loin de cela. Mais pour parler de Mozart, si vous allez à Salzbourg, Paracels, c'est le seul chimiste, je crois, qui a un énorme mausolée dans le cimetière où la famille Mozart est enterrée. Bon, Mozart, on ne sait pas où il a été enterré, mais dans un cimetière à Salzbourg, vous voyez la famille Mozart, comme ça, ancienne, sa femme, le père, le fils. Et c'est intéressant de. Voilà. Et à côté, il y a cet énorme mausolée de Paracels. Alors, en 1718, c'est juste un exemple, on était arrivé à faire des tableaux dans lesquels on pouvait réunir, plus ordonner suppose un ordre. Donc, c'était un ordre pas très clairement établi, mais on pouvait donner des symboles à certaines. Certains de ces objets qui n'étaient plus sécables en plus petit, comme par exemple ici vous voyez le cuivre, le fer, le plomb, l'étain, le zinc, c'était déjà pas mal, hein, parce qu'en 1718, on avait donc déjà la notion qu'il y avait du cuivre, du fer, de l'or, hein, de l'or, de l'argent, du mercure, de l'acide nitreux, etc. Et on leur a donné ces belles petites images, ces beaux symboles. On les mettait dans des tableaux, mais les tableaux n'avaient pas vraiment. Hein, on ne savait pas très bien pourquoi les classer de cette façon-là. C'était. Il n'y avait pas de base scientifique à l'explication en question. La chose a fortement changé au milieu du XIXe siècle. Au milieu du XIXe siècle, évidemment, les chimistes ont de plus en plus réfléchi à la façon dont on pourrait proposer, quelle classification on pourrait proposer. Au milieu du XIXe siècle, un pas extrêmement important a été fait par ce monsieur, Dmitri Mendeleïev. En 1869, Mendeleïev a publié ce que j'estime moi être l'une des publications les plus importantes de toutes les sciences, de tous les temps. Il avait remarqué que les propriétés de ces atomes, de ces objets chimiques, pouvaient permettre le classement en série, reliée. Et que ces séries étaient reliées au poids atomique des éléments. Il a publié cet article absolument fondamental en 1869 dans Science of Chemistry. Et voilà donc son premier tableau de classification périodique des éléments, où il ordonne en colonne et en ligne les éléments qui à l'époque étaient connus. Ça c'était déjà très important. Ce qui était tout aussi important et même téméraire, c'est qu'il y avait des trous. Il y a des points d'interrogation. Il a dit, un jour, on le trouvera. Parce que ça doit exister à cet endroit-là. Et évidemment, on l'a trouvé. J'estime, bon, je voudrais vraiment insister là-dessus, que ce pas nous donne vraiment accès aux éléments qui forment la matière. Actuellement, ce tableau dit tableau périodique des éléments se présente de cette façon-là. Les briques de la matière. Et là aussi, je voudrais passer quelques instants là-dessus, tellement je estime que c'est important et fondamental. Ce que vous voyez là, c'est sous forme de symbole, d'abréviation, tous les éléments dont est fait tout notre univers. Rendez-vous compte ce que ça veut dire. Vous avez l'hydrogène, l'eau contient l'hélium, lithium, beryllium, bore, carbone, azote, oxygène, fluor, néon, etc.
Bon, ça, ce sont des éléments artificiels qui ont été faits dans les accélérateurs à particules. Mais ce qui est important là-dedans, c'est que ces éléments vont être des briques qui construisent tout ce qui se trouve de la matière observable, et aussi la matière qui, pour l'instant, n'a pas été observée, de la matière observable de notre univers. Alors, c'est un peu embêtant pour un scientifique de dire, ça a l'air dogmatique, de dire, on ne trouvera plus autre chose. Mais là, il faut bien admettre que c'est le cas. Pour quelle raison? Mais on sait maintenant que ces éléments sont caractérisés par des atomes. Les atomes, qu'est-ce que c'est? C'est simplement de l'arithmétique. On compte un proton dans le noyau avec un électron autour. 2, 2, 3 protons, 3 électrons, 4, 4. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, jusqu'à 92. Et il n'y a rien entre 1 et 2, entre 2 et 3, entre 3 et 4. Donc le tableau est complet. Et ce que vous voyez là, si vous étiez à 1 milliard d'années-lumière de la Terre, ce seraient les mêmes éléments. Ça me gêne, je dois dire. Mais il y a pas de choses à voir. C'est assez fantastique. Hein. Vous êtes assis dans cette salle, vous voyez devant vous quelque chose qui vous définit tout ce qui existe ailleurs. Je crois qu'en général, je recommande aux gens de prendre une belle représentation de ce tableau et de mettre au-dessus de votre lit tous les matins vous réveillez. Ça vous donne la confiance. On a été capable, nous, sur cette Terre, ces organismes qui peuvent être malades, qui ont des opinions différentes et tout ça, de trouver quelles sont les briques qui vont faire tout ce que nous pouvons rencontrer dans l'univers. Donc ça, c'est absolument fondamental. Pour moi, c'est un des pas majeurs de la science et de la compréhension de l'univers. Et c'est ça, le terrain de jeu de la chimie. En quelque sorte, c'est notre Lego. Ça, ce sont les pièces du Lego. Et on joue avec. On peut les combiner, on peut les réarranger, on peut faire des choses avec. Mais on n'en a pas d'autres. Mais c'est avec ça qu'on peut jouer. Et comme le nombre qu'on utilise n'est pas limité, les combinaisons sont en elles-mêmes illimitées. Alors je voulais quand même vous indiquer qu'il y a aussi des relations entre la chimie et les arts. Un bon copain de Mendeleïev, c'était Borodine. Borodine est connu pour sa musique, mais Borodine se considérait avant tout comme chimiste. Avant, il disait, la musique c'est mon passe-temps, je fais ça en fin de semaine quand j'ai le temps. Mais en fait, je suis chimiste. Et c'est un ami de Mendeleïev. Et puis bon, ouais, pour les chimistes, s'il y en a dans la salle, il y a deux réactions qui sont appelées les réactions de Borodine, Borodine-Wunstica. En fait, ça c'est de Borodine, parce que Wunstica a redécouvert les trucs 100 ans après. Et il y a aussi une condensation, enfin, votre réaction. Évidemment, je pense que certains d'entre vous doivent connaître le prince Igor, les symphonies, les voitures de Borodine. Vous voyez, donc, la chimie comme la tout, ou inversement. La structure de la matière, composition, c'est une chose. Mais après, il faut la transformer, comme je vous ai dit. Et là, il faut avoir une idée, une règle qui permet de dire, voilà, si je transforme, si je fais une réaction chimique, comment je peux comprendre ce qui va se faire, ce qui va se transformer. Lavoisier est à l'origine de la compréhension de la transformation chimique. Il a dit, rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. En quelque sorte, si vous avez des objets chimiques ayant une certaine composition en atomes, la réaction chimique les recompose en d'autres choses, mais les atomes que vous avez au départ restent. C'est comme si vous aviez une construction faite avec des Legos, et vous réarrangez vos Legos, vous avez un autre, vous ne perdez pas les Legos, vous n'en avez pas des nouveaux, pas des anciens, pas des nouveaux, vous n'avez que les anciens, vous les recomposez. Donc c'est la réaction chimique qui est à la base, la compréhension de la transformation chimique. Alors on en est à la composition et on en est à la transformation. Mais de quoi c'est fait? C'est pas simplement quels sont les éléments, les briques, c'est aussi est-ce qu'il y a des connexions de ces briques? Est-ce qu'il y a des connectivités? Est-ce qu'il y a des plus que simplement des briques, mais comment sont-elles agencées les unes par rapport aux autres? Et il y a eu beaucoup d'essais, surtout principalement au milieu du 19e siècle, beaucoup d'essais de représentation de ces compositions
que l'on commençait à connaître. Wurtz a proposé des formules, ce qu'on appelle des formules chimiques de ce genre, Kekulé, un chimiste allemand, a proposé celle-ci. Le plus proche de la représentation actuelle, c'est un chimiste autrichien, Loschmidt, qui a représenté, et pour vous donner une idée donc, je vais prendre comme idée l'alcool éthylique, on était dans la distillation auparavant, on reste dans la distillation, dans l'alcool, et il a représenté les choses par un grand cercle, c'était un atome de carbone, un petit cercle, un atome d'hydrogène, un double cercle, un atome d'oxygène. Si je prends ça maintenant, et si je vais mettre dessus la formule, ben voilà. Donc c'est assez proche de ce que nous faisons maintenant, sauf qu'on n'a pas utilisé, à l'époque ils n'utilisaient pas les C, les H, les O, mais ils utilisaient des grands cercles, des petits cercles, des doubles cercles, etc. Donc c'est une première et un essai, je dirais réussi, bien que assez loin de ce qu'on fait maintenant, mais réussi de représentation des connectivités. Donc structure, les transformations, connectivité. Mais ça, ça reste un graphe, ça reste une représentation graphique de l'objet chimique. Est-ce que c'est juste une représentation graphique? Ce n'est pas juste une représentation graphique. En fait, un objet chimique, une molécule, est une architecture. Ça a une structure bien spécifique. Et cette notion de chimie dans l'espace a été introduite par deux chimistes la même année, en 1874, Van't Hoff en Hollande, aux Pays-Bas, et Lebel en France, à Strasbourg, enfin il était à Strasbourg, mais il a principalement travaillé chez Wurtz à Paris. Et la même année, ils ont proposé que les objets chimiques sont des objets qui ont une architecture, une forme. Alors bon, je vous passe les détails, il y a des formes qui sont des tétraèdres, qui sont des octaèdres, on fait différentes formes géométriques, mais c'est un pas extrêmement important pour comprendre comment s'agencer les atomes dans les molécules. Ce n'est pas simplement une collectivité, un graphe, c'est un objet qui a une forme. Ce qui est très important pour la suite que vous allez voir. Alors avant de conclure ce bref passage dans l'histoire, je voudrais citer quand même, il faut absolument citer Pasteur, puisqu'on parle de la matière à la vie, et Pasteur a fait des contributions absolument fondamentales dans beaucoup de domaines. L'une des contributions très importantes, et de reconnaître qu'il y a des formes, des molécules qui se correspondent comme une main gauche et une main droite. Ce qu'on appelle la chiralité, parce que kairos en grec c'est la main, donc il y a des mains gauches et des mains droites. Et dans un organisme vivant, en général, les molécules en question sont d'un type ou de l'autre, mais ce n'est pas un mélange des deux. C'est l'évolution qui probablement a conduit à ce qu'un organisme soit composé d'un type de chiralité, et pas de l'autre. Ça aurait pu l'une ou l'autre. C'est celle que nous connaissons, mais c'est cette propriété fondamentale que Pasteur a découvert. Ce faisant, on passe de l'atome à la molécule, et la chimie moléculaire s'est développée. Elle s'est développée au cours de maintenant à peu près 200 ans. Et si je voudrais juste vous donner deux jalons, vous indiquer deux jalons de ce développement, de cette puissance sur la matière en quelque sorte. En 1828, un chimiste allemand, Wöhler, a réussi à fabriquer en laboratoire l'urée. L'urée est une molécule très simple, c'est celle-ci. Ça, il y a un carbone là au milieu, un oxygène, azote, azote et quatre hydrogènes. C'est très simple. Il l'a fabriqué à partir d'une autre substance que les chimistes appellent du cyanate d'ammonium. Voilà. Oubliez le terme, mais l'important là-dedans était ceci. D'une part, il a réussi à fabriquer l'urée à partir d'une autre substance qui avait évidemment les mêmes atomes. Mais ce qui était très important aussi, c'est qu'à l'époque, il était convaincu que pour fabriquer une molécule contenue dans un organisme vivant, l'urée est contenue dans l'urine. Il fallait l'intervention d'une espèce de force mystérieuse qui s'appelait la force vitale. En transformant un produit qui était certainement, qu'on appelle inorganique, non vivant, le cyanate d'ammonium, en urée qui se trouvait dans les organismes vivants, Wöhler a détruit cette idée de force magique, vitale. Il n'y a pas besoin de force vitale
pour fabriquer des molécules contenues dans les organismes vivants. La preuve, l'urée. Évidemment, c'était le début, mais c'était déjà métaphysiquement, c'était très important. Bon, alors on va faire un saut d'environ 150 ans. La synthèse de la vitamine B12. La vitamine B12, elle est dans notre organisme, c'est une molécule beaucoup plus compliquée, évidemment, que d'autres vous vous en rendent compte, mais on n'est pas chimiste. Ceci, c'est la vitamine B12. Chaque petit point, chaque coin, c'est un atome de carbone, il y a dessus ce qu'il faut comme hydrogène, etc. Donc c'est beaucoup plus compliqué. Et là, cette synthèse, c'est-à-dire la construction en laboratoire, ce que les chimistes appellent une synthèse totale, c'est de construire une molécule en laboratoire à partir des éléments qui la composent. Le carbone, l'hydrogène, l'oxygène. Ici, il se trouve qu'il y a aussi un atome de phosphore, un phosphate, il y a aussi un cobalt ici, de construire cette molécule en disposant ces atomes exactement où ils doivent être. C'est parce que si vous la mettez à un autre endroit, ça ne marche plus. C'est plus la vitamine B12. Ça a donné, évidemment, c'était un travail extrêmement important et il a été réalisé par une équipe très importante, par deux équipes en fait, qui ont collaboré, l'une dirigée par Robert Wood, l'autre par Harvard, et l'autre par Albert Eschenmoser à l'École Polytechnique Fédérale de Zurich, avec l'aide d'une cohorte de chercheurs et de chercheuses, environ qui ont à peu près, ça a pris 150 années, chercheurs, chercheuses, en gros. Bon, évidemment, il y en avait 10 ou 12 par an, pendant 10 ans, c'était ce genre. Alors, moi j'ai travaillé à l'époque avec Woodward, pour mon postdoc, dans les années 63-64, et moi j'ai fait ça. Ce petit bout de la B12. Alors ça c'est intéressant, moi je reste là-dessus, pas parce que c'est moi qui l'ai fait. Mais ça montre deux choses. D'une part, comme fait de la science, vous faites partie d'un immense projet. Essayez progressivement de connaître plus, de savoir plus ce qui nous entoure, de pouvoir le manipuler. Et vous apportez une pierre à cet édifice énorme, qui est l'édifice de la connaissance humaine. Cette pierre, personne ne vous l'apprendra plus. Mon goût dans la vie, c'est cela. Et surtout, quand je parle, je vais assez souvent dans des lycées et collèges pour essayer de convaincre les petits jeunes de faire des sciences, et de dire, voilà, vous apportez votre pierre à cette construction. C'est votre pierre. Et tout le futur aura quelque part cette pierre que vous apporterez. Alors évidemment, depuis les années 70, du siècle dernier, les choses se sont beaucoup développées. Beaucoup de progrès réalisés dans cette chimie moléculaire avec des molécules de plus en plus complexes qui ont été fabriquées, des nouvelles propriétés, des nouveaux matériaux, ce que nous avons, il y a les nouveaux polymères, les substances utilisées dans différentes applications, et évidemment les médicaments. Mais on peut se poser la question alors, cette chimie moléculaire qui s'est très développée, qui est en cours, qui est très puissante et qui continue à se développer et qui continuera à se développer, n'est-il pas un autre aspect qu'il faudrait aussi considérer? Voyons. Je vous montre ici, colorée en bleu artificiellement, une cellule dite cancéreuse et deux cellules dites tueuses. Les cellules tueuses sont dans notre organisme, elles se baladent tout le temps et elles essaient de trouver ce qui ne marche pas. Les cellules qui sont dégénérées en quelque sorte. Et leur mission est de les détruire. Comment est-ce que les cellules tueuses savent en quelque sorte que l'autre est cet objet qu'il faut détruire? Comment est-ce qu'elles savent? Il ne faut pas qu'elles fassent d'erreur. Si elles détruisent une cellule saine, ça ne va pas bien. Si elles oublient de détruire une cellule transformée, cancéreuse, ça ne va pas bien non plus. Donc c'est une question tout à fait importante. De même, les particules bleues que vous voyez ici sont des particules du virus du sida. Quand elles entrent en collision avec un globule blanc, elles peuvent l'infecter. Comment c'est possible? Comment est-ce que le virus, soudainement, il se dit, maintenant je peux rentrer, je peux l'infecter? Même chose, quand vous êtes vacciné, vous fabriquez des anticorps. Ces anticorps sont destinés à bloquer ce qu'on appelle les antigènes. C'est possible, qu'est-ce qui se passe? Il y a donc un phénomène extrêmement intéressant et qui se passe entre les objets dont je pose. C'est une cancéreuse, une tueuse, du blanc et virus, particules virales.
comme ces objets sont constitués, ils sont définis par des membranes, ce qui les définit, la forme. Ces membranes sont faites de molécules, en double de savon en quelque sorte. Et dans ces membranes se trouvent des molécules qu'on appelle des protéines, et qui forment en quelque sorte, et qui donnent des renseignements sur ce qu'est la cellule. Et c'est donc probablement, on peut se dire, le contact entre ces objets macroscopiques, ces gros objets, qui entrent en contact et qui se parlent par l'intermédiaire de ces molécules qui sont localisées dans l'enveloppe qui les définit. Ça veut donc dire qu'il y a une chimie qui doit se passer, non pas dans la molécule, mais qui doit se passer à l'interface entre les molécules, et c'est ce que nous avons appelé la chimie supramoléculaire, c'est-à-dire qu'elle est une chimie par-delà la molécule. La question n'est plus de savoir comment est constituée la molécule, ce qu'elle est en elle-même, mais qu'est-ce qui se passe quand des molécules se rencontrent? Qu'est-ce qui se passe dans une société de molécules en quelque sorte? Et c'est donc cette chimie supramoléculaire est en quelque sorte une sociologie des molécules. Qu'est-ce qui se passe dans une société de molécules? C'est une chimie de ces interactions, quand les chimistes ont des termes techniques pour ça. Pour construire des molécules, on lie les atomes de façon forte. On appelle ça des liaisons. Ça se lie. Covalente, c'est une liaison forte. Une fois que les molécules sont constituées, il nous reste des possibilités d'interaction par des interactions plus faibles et que l'on appelle des liaisons non covalentes. C'est une terme technique, mais juste nous indiquer qu'il y a des différences entre les deux. Mais alors, revenons à cette question des cellules qui se rencontrent et qui, en quelque sorte, se transfèrent d'informations. Manifestement, il se passe un phénomène de reconnaissance entre les objets, et ce phénomène de reconnaissance est fondé sur la reconnaissance entre les objets moléculaires, entre les molécules qui constituent les deux objets macroscopiques. Cellules, par exemple cancéreuses, elles se transforment. Pour reconnaître, la première chose, il faut lier. S'il n'y a pas de contact, évidemment, rien ne se passe. Il faut d'abord qu'il y ait des interactions entre les objets pour se lier. Mais ça ne suffit pas. Et je crois que le point le plus important, et je pense que c'est peut-être l'apport le plus fondamental de la chimie supramoléculaire, la chimie, c'est de mettre en lumière le fait qu'il faut de l'information. C'est-à-dire qu'un phénomène de reconnaissance entre deux objets moléculaires est un phénomène informel. Vous ne pouvez pas reconnaître quelqu'un dans la rue si vous n'avez pas de l'information sur la personne. Et une molécule en reconnaît une autre parce qu'il y a des interactions qui définissent une certaine spécificité, le fait que l'une interagisse avec l'autre et pas avec n'importe laquelle. Une façon extrêmement simple de faire comprendre cela est considérer qu'il y a une complémentarité entre la géométrie des objets en contact et aussi les interactions. Quand je dis interaction, un plus attire un moins, un plus repousse un plus. Donc c'est des interactions de ce genre, qui sont des interactions tout à fait fondamentales et générales en physique. Mais il y a une représentation très simple que l'on peut facilement garder en mémoire, c'est le fait qu'il y ait une complémentarité comme une clé et une serrure. Cette idée de clé et serrure, Schloss und Schlüssel, a été déjà proposée dès 1894 par un des très grands chimistes de tous les temps, Emil Fischer, et qui étudiait à l'époque l'action des enzymes, donc des réactifs qu'il y a dans nos organismes vivants, sur leur substrat, sur les molécules que ces enzymes doivent transformer, et qui avait conclu que pour que il y ait l'action de ces molécules biologiques sur leur substrat, il fallait que ça s'ajuste comme une clé et une serrure. De nos jours, on sait que la clé a une souplesse, que la serrure aussi a une souplesse, mais fondamentalement, l'objet, l'image est correcte. C'est une image très importante. C'est aussi une de ces anciens programmes, c'est pas très important en science, de se dire qu'il y a un ajustement clé et serrure qui permet d'expliquer la sélectivité, donc cette reconnaissance contre l'objet chimique. Voilà Émile, il a fait son doctorat à Strasbourg en 1874,
À l'époque, nous appartenions à un autre pays, en 1874. La France avait perdu la guerre franco-prusse en 1870. Et je dois dire que je ne dirais pas grâce à ça, mais ça nous a permis, dans un sens, d'avoir des très grands scientifiques à Strasbourg. Je ne pourrais pas vous citer toute la liste, ça fait peut-être se vanter. Mais c'est vrai, Émile Fischer a fait sa thèse là-bas, sous la direction d'Adolf von Bayer. C'était Émile Fischer, le deuxième prix Nobel, Adolf von Bayer, peut-être le quatrième. Mais il y en avait d'autres. Voilà donc Émile Fischer qui a proposé ça en 1894. Alors, voyons un exemple de reconnaissance moléculaire, le plus fondamental pour nous. C'est quoi? Vous avez tous entendu parler de la double hélice de l'ADN, je suppose. C'est celle qui porte l'information génétique de tous les organismes vivants sur notre planète. Essayons d'analyser de quoi c'est constitué. Cette information génétique est écrite avec 4 lettres, pas plus. Et c'est une espèce d'immense programme, une très longue chaîne sur laquelle sont fixées les 4 lettres, dans une séquence qui varie avec chaque organisme vivant. Ces 4 lettres, les chimistes vont vous donner des noms, vous aurez pu choisir autre chose, mais il se trouve que les noms sont adénine, guanine G, thymine T, cytosine C. Et ces lettres sont ces groupements chimiques-là. Celui-là, celui-ci, 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 fixé sur une chaîne. Il y a 2 chaînes qui s'entourent comme représentées ici. Et ça, c'est notre ADN, notre génome. C'est ça qui nous fait différent d'un éléphant, d'une tomate, d'une carotte, ou ce que vous voulez. Donc, nous sommes le résultat d'une séquence de 4 chaînes, de 4 lettres, de 4 groupements qui définissent le génome. Avant de passer, parce que ça c'est le stockage de cette information, ensuite il faut la lire. Mais avant de passer à la lecture, examinons l'une de ces lettres. L'adénine. C'est quoi l'adénine? Alors, ne vous effrayez pas, c'est pas très compliqué. HCN, c'est l'acide très toxique, l'acide cyanurique. Le cyanure hydrogène, HCN. Et HCN, ce sont des molécules qui se trouvent dans l'espace interstellaire, intérieur, l'espace. 5 de ces HCN peuvent se mettre ensemble pour faire une molécule d'ADN, d'adénine. Vous voyez par exemple HCN, 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 bon c'est un petit peu réarrangé, mais avec 5 HCN, vous faites l'ADN. HCN, comme je dis, se trouve dans l'univers. On peut très facilement imaginer que la condensation entre 5 de ces molécules forme une molécule d'adénine. Vous rajoutez un petit peu d'eau, pour mettre l'oxygène quelque part, vous faites la guanine. Quelques autres transformations, vous faites la thymine et la cytosine. Donc les 4 groupements chimiques qui définissent les 4 lettres du génome de tous les organismes vivants sur la planète Terre, il faut spécifier, sont peut-être par une chimie relativement simple et dérivés de molécules qui se trouvent dans l'espace. Maintenant, il faut lire. Il ne s'agit pas simplement de stocker. La lecture est tout aussi simple. Ça se fait simplement par un appariement, une formation de paires entre les 4 lettres dont je vous ai parlé. Alors, là peut-être aussi je peux revenir sur ce que c'est une molécule, ce que c'est un objet supramoléculaire. Ceci est un bout moléculaire, où des atomes en noir carbone, en bleu azote, en blanc hydrogène sont liés par des liaisons fortes. Donc l'adénine, la thymine, le racine, la guanine ou la cytosine. Mais ces objets peuvent former des paires, peuvent s'apparier, soit par 2 points de contact, les petits points ici, ou 3 points de contact. Donc c'est 2, 3, 2, 3. Et probablement l'évolution vers la vie s'est arrêtée de générer des choses plus compliquées du point de vue informationnel quand c'était suffisant. Très souvent, ça s'arrête quand c'est suffisant. 4 lettres suffisent pour faire 2 paires. Vous pouvez stocker et vous pouvez lire.
c'est un système binaire, c'est comme dans un ordinateur, vous avez 0, 1, 0, 1, 0, 1, là c'est 2, 3, 2, 3, 2, 3, et vous pouvez de cette façon lire l'information génétique qui se trouve dans un brin dont je vous ai parlé auparavant. Donc dans un sens, on a des résultats, des choses relativement triviales. Nous, tels que nous sommes, nous dépendons d'une certaine séquence de quatre coupons chimiques. Dans un sens, pour un chimiste, ces coupons sont très simples, c'est trivial. Et la lecture elle-même est aussi très simple, aussi simple qu'on peut le faire. On peut donc insister là sur le fait que ces objets chimiques ont une information et que la chimie n'est pas simplement une science de la structure de la matière, de la transformation de la matière, mais c'est aussi une science de la matière informelle. Et ça, j'aime bien essayer de faire passer ce message qu'il faut bien sûr une structure, elle porte l'information, mais il faut aussi que cette information soit ensuite, puisque c'est dans le sens où soit transformée, soit lue, soit traitée. Et cette partie est la partie donc supramoléculaire, l'interaction entre les objets. Et on peut donc dire que la science de la chimie est aussi une science de l'information, pas simplement une science de la matière en tant que telle. Pour simplement expliquer comment on peut essayer de comprendre cette question de reconnaissance moléculaire, essayer de vous représenter quelque chose de simple. Si par exemple on définit un récepteur moléculaire, ici une série, et que l'on a trois clés, une rouge, une bleue, une verte, c'est évidemment la clé rouge qui va pouvoir se lier et être complémentaire de la qualité contenue dans le récepteur. Et c'est cette façon-là qu'on peut, ça c'est évidemment très simple, simpliste, mais les interactions sélectives entre molécules se font de cette façon-là. Et pour vous donner juste un exemple, celui avec lequel nous avons commencé, c'est de se dire quel est l'objet le plus simple en trois dimensions, c'est une sphère. Et dans le tableau périodique de Mendeleïev dont je vous ai parlé, il y a une série qui est formée de sphères ayant une certaine taille appartenant à une certaine série, une colonne. Ce sont ce qu'on appelle les métaux alcalins, dont l'un, vous connaissez très bien, c'est le sodium, qui se trouve dans le sel de cuisine. C'est une série de 5 éléments, lithium, sodium, potassium, rubidium, césium. C'est simplement des sphères portant une charge positive et de diamètre de plus en plus grand. Alors la question qu'on peut se poser, si j'ai un mélange de ces 5, comment je peux reconnaître ou l'en dire, comment je peux sélectivement en attraper une de ces sphères plutôt que l'autre. C'était aussi pour moi quelque chose d'important à l'époque, parce que deux de ces ions, métalliques, le sodium et le potassium, sont très importants dans l'organisme. Or, il se trouve que je m'intéressais vers le milieu, la deuxième moitié des années 60, vers 65-66, au fonctionnement du système nerveux. On va vous dire comment est-ce qu'on aboutit à... Hein. C'est simplement parce que bon, le système nerveux, évidemment, a une complexité énorme. Et à l'époque surtout, comment peut-on aborder ce problème, ou du moins certaines manifestations du fonctionnement du système nerveux, du point de vue chimique. Il y a un phénomène, en soi, simple, compliqué dans sa réalisation pratique, qui est que l'influx nerveux se transfère le long des nerfs par des changements de concentration de sodium et de potassium à travers la membrane des nerfs. Donc si je fais ça, ça veut dire que le signal, bon, il y a un signal qui est donné, mais l'information qui va vers les muscles est transportée par des changements de sodium-potassium qui rentrent et qui sortent de l'axe des nerfs. Et ceci, évidemment, était pour un chimiste quelque chose d'intéressant, parce que sodium-potassium, on peut comprendre, c'est pas trop compliqué. Mais ce qu'il fallait aussi, c'est d'essayer de comprendre comment on peut distinguer entre une boule sodium et une boule légèrement plus grande de potassium. En principe, en appliquant le principe de la clé et de la serrure, et en construisant des molécules qui ont des cavités, qui sont donc des serrures en quelque sorte, adaptées à la clé que l'on veut attraper, qu'on veut sélectionner dans le mélange. Donc, on essaye de faire des molécules ayant une cavité centrale, petite, un peu plus grande, encore plus grande, et le résultat, celle-là
est sélective au lithium, c'est-à-dire que si vous avez un mélange de tous les 5 éléments, préférentiellement, pas uniquement, mais préférentiellement du lithium, qui rentre dans la cavité centrale, ou du sodium, ou du potassium. Ceci, c'est l'explication la plus simple, c'est l'objet le plus simple, mais tous les phénomènes de reconnaissance moléculaire, à des niveaux très compliqués, sont à la base un peu semblables. On peut essayer de comprendre ces phénomènes en taillant sur mesure, en préorganisant des objets chimiques de sorte à ce qu'ils soient complémentaires de celui avec lequel vous voulez interagir. Évidemment, beaucoup de labos se sont mis à partir, il y a énormément de laboratoires de par le monde qui ont étudié cela, et je vais vous montrer à quoi ça peut servir aussi. Alors, il se trouve que les objets chimiques ont aussi une certaine esthétique. Il y a un chimiste de Hongrie, en Hongrois, qui est devenu sculpteur et qui s'est intéressé à la représentation artistique des formes moléculaires et que l'on peut apprécier, même si on n'est pas chimiste. Bon, d'abord, il m'a fait le plaisir de faire ce bel élément. Je reviens en arrière. C'est celui-ci là. On appelle ça des cryptans pour l'objet ici, et des cryptates, c'est le crypte, qui est une cavité, donc on loge quelque chose dedans, c'est l'idée la plus simple. Et donc il a utilisé cette forme chimique pour en faire la sculpture que vous voyez là, avec au centre, donc là, il y a un potassium, mais ça c'est le tout. Mais pour vous montrer qu'il est très imaginatif et qu'il arrive à vraiment représenter de façon vraiment très belle artistiquement aussi, les formes moléculaires. Je vous en montre 4 autres. Je montre tout d'abord, jeter un coup d'œil là-dessus. Ça a l'air d'être une fumée qui s'échappe. Ben, c'est l'essence de rose. Alors pour les chimistes de la salle, c'est quoi l'essence de rose? C'est ce qu'on appelle l'alcool phényléthylique. Donc les chimistes peut-être quand même. Ça, c'est le phényl, CH2, CH2OH. Ça, c'est exactement la molécule, enfin exactement. C'est une représentation de l'essence de rose, de la vraie molécule de l'essence de rose, qui a l'odeur de rose. Quand c'est pur, ça pue. C'est beaucoup trop concentré. Dans la rose elle-même, c'est extrêmement dilué, c'est pour ça que ça sent bon. Sinon, ça sature tous les récepteurs, et ça n'a plus d'intérêt. L'autre qui est pas mal non plus, c'est ici-là. C'est aussi deux produits qui sont des produits chimiques, et ils appellent ça les danseurs. C'est un danseur, une danseuse, ce sont deux molécules qui sont aussi dansées. L'énalol et l'acétaldéhyde pour les chimistes qui sont dans la salle. Il y en a d'autres, il y en a fait beaucoup d'autres. Ah oui, si celle-là est assez jolie là, celle-là sur le côté, voilà, celle-ci. Ça, il l'a fait pour une grande firme pharmaceutique qui voulait une sculpture devant son siège. Et il se trouve que ces gens-là fabriquaient une molécule intéressante pour la, disons, protectrice, une molécule utilisée dans le système cardiovasculaire. Et il l'a torturé un petit peu, il faut bien dire, pour en faire une main. Il appelait ça des helping hands, la main qui aide. Mais c'est une fait qu'on peut, sur les chimistes, on reconnaît la molécule là-dedans, à peu près. Bon, quelques applications. Et évidemment, les applications, oui, j'espère pour là, mais ça va venir. Quelles applications au sens de la vie? Évidemment, la première chose, c'est que la reconnaissance moléculaire est fondamentale dans la conception du médicament. Qu'est-ce que c'est un médicament? C'est une clé pour une cellule biologique. Donc, il faut essayer de comprendre comment fabriquer un médicament, comment fabriquer une clé pour une molécule biologique pour qu'elle interagisse très sélectivement à cet endroit-là. Ensuite, on peut aussi utiliser, puisque c'est sélectif, puisque ça reconnaît, essayer de faire des diagnostics, d'utiliser certaines de ces molécules pour détecter d'autres et en faire des outils de diagnostic. Aussi, comme l'un des phénomènes intéressants, c'est de passer des membranes, c'est de reconnaître un objet et puis faire passer une membrane comme une cellule, la membrane d'une cellule, pour faire entrer dans des cellules des objets chimiques différents. Et finalement, aussi des biomatériaux, faire des matériaux qui soient utilisables dans le milieu, en biologie et notamment en milieu médical. Je vais rapidement vous donner une indication là-dessus. Tout d'abord,
lors de ces diktats que nous avions fait, avait été modifié et dans la cavité centrale a été introduit un ion, un autre élément du tableau périodique qui s'appelle l'europium, qui a une forte fluorescence rouge. On peut utiliser ça comme une petite ampoule qu'on peut accrocher ensuite sur une molécule biologique, sur une immunoprotéine, et suivre ensuite des destins, réactions, des interactions de cet ensemble sur des molécules biologiques, sur des substances, des tissus, etc. Ça a été développé par Gérard Matisse de SysBio International et ça a donné naissance à un appareil, un cryptor, qui sert à faire de l'immunoanalyse. Un autre développement intéressant, qui est aussi du niveau du type supramoléculaire, c'est d'utiliser des substances artificielles, de mettre au point des substances artificielles qui permettent d'attraper un gène, un bout d'ADN, et de faire passer à l'intérieur d'une cellule pour le faire s'exprimer. S'exprimer, voulant dire, pour qu'ensuite il fabrique le produit correspondant à ce gène, la protéine correspondante. Et pour ce faire, on essaye de fabriquer des vecteurs synthétiques, des molécules qui permettent de lier le bout d'ADN et de faire passer la membrane. C'est aussi une autre approche qui est utilisée dans les virus, mais ça c'est l'approche chimique. Cette approche est très intéressante, d'une part pour la biotechnologie, faire exprimer des molécules pour bioutilisation ultérieure, mais aussi pour la thérapie génique, pour essayer de corriger certains défauts génétiques qui peuvent avoir lieu, comme par exemple une maladie comme la mucoviscidose. Je vous indique juste, je vous donne juste un exemple rapide sur des molécules que nous avons développées au Collège de France et qui ont servi. Alors, on utilise au départ un gène qui peut être facilement repéré par ses produits s'il est exprimé. Il se trouve qu'il y a des gènes qui fabriquent quelque chose que l'on peut colorer en bleu, les gènes de la pétacalapéphylase. Et vous voyez que là, à la fois sur les cellules primaires humaines, toutes les cellules colorées en bleu sont les cellules qui ont été transfectées. Et ça, c'est sur l'épithélium des voies aériennes des souris, cette complication. Ça, c'est réalisé par mes frères, la partie biologique. Un petit point, et peut-être aussi c'est intéressant pour essayer de montrer à quoi peut servir la recherche fondamentale. Application en sondier matériel. Qu'est-ce qui s'est passé? Nous avions fabriqué dans les années 90, en 1990, la première publication, des polymères, donc des matières plastiques, des polymères supramoléculaires, certaines catégories. Et ça a été publié, beaucoup de gens sont mis à travailler dessus. Bon. En 2013, donc environ 23 ans après, je reçois un courrier directeur d'une petite start-up qui me dit « On a utilisé des polymères supramoléculaires pour en faire des matériaux biocompatibles, en particulier comme application en implant cardiaque. » Ils ont donc réussi à fabriquer un matériau qui peut être utilisé pour le traitement chirurgical. Il y a des enfants qui ont des malformations cardiaques congénitales très graves et qui nécessitent une reconstruction cardiaque. Donc ce matériau a été utilisé, il a été développé, il a été utilisé, et récemment, il a été implanté dans des enfants. Là, c'est une petite fille, Dominica, c'est la première. Ça a été implanté en 2013, donc maintenant, on a déjà une perspective, on a une histoire suffisante pour dire que ça marche, que les 10 enfants ont tous été implantés. Ça a été fait par Léo Boqueria, qui est quelqu'un que je ne connaissais pas, évidemment, mais que je connais bien maintenant, et qui est un chirurgien du centre Bakoulev de chirurgie cardiovasculaire à Moscou, et qui maintenant a utilisé cette technique et pour 10 enfants traités. Je crois qu'il y en a plus maintenant, quand j'ai fait la diapo, j'ai dit, je crois qu'il y en a 12 maintenant. Et avec un recul maintenant suffisant pour voir que, vous savez, il y a un problème, c'est que les enfants grandissent. Il faut donc que l'implant aussi s'adapte. Et il se trouve qu'évidemment, une des idées, c'est que l'implant ensuite va progressivement disparaître une fois qu'il a été envahi par les cellules
qui sont dans les cellules normales. Alors, juste un point là-dessus. En 1990, on n'avait aucune idée qu'un jour ça pourrait servir à faire des implants cardiaques pour des enfants. Quand voulez-vous prédire ça? Impossible. Donc je dis, vous faites la recherche fondamentale, vous essayez d'accroître les connaissances, et de par le monde, quelqu'un aura peut-être une idée là-dessus. Et le travail, et pourquoi est-ce imprévisible? Parce que d'abord, évidemment, il faut avoir le concept de départ, mais ensuite il faut le développer. Et ensuite, il faut que quelqu'un veuille bien passer son temps à trouver le bon produit. Il faut le financement pour le faire. Et puis, il faut le chirurgien qui veut bien faire les essais, après avoir passé par tous les contrôles, passage par des animaux, etc. Donc, vous voyez, je crois qu'il est important de laisser les connaissances accumulées en se disant que toute nouvelle connaissance a une chance, pas toute, mais beaucoup de connaissances ont une grande chance d'avoir ensuite une application. Bon, juste pour revenir au point de l'auto-organisation, donner quelques exemples et ensuite je conclurai par des considérations de plus générale. La chimie supramoléculaire est donc l'étape d'après la chimie moléculaire. Et ces objets supramoléculaires peuvent s'assembler et donner lieu à une organisation plus complexe que la molécule elle-même. Et ce qu'on voudrait donc, c'est en laboratoire comprendre comment ça se passe, comment on peut fabriquer des objets, des briques moléculaires, qui vont s'assembler pour former une architecture plus complexe qu'une molécule elle-même. Pour donner un exemple, je prends un virus. Un virus, c'est un objet chimique, parce que le virus ne vit pas s'il n'est pas dans une cellule. Et là, j'ai pris la mosaïque du tabac, parce que c'est l'un des premiers virus qui a été compris. C'est quoi? Le virus, la mosaïque du tabac, c'est un assemblage moléculaire qui consiste en 2130 briques qui se mettent ensemble. Ça, c'est une image plus détaillée, mais comme une espèce de part de gâteau, une part de tarte, qui ont cette forme un petit peu conique et qui se mettent ensemble et qui s'enroulent pour former un objet hélicoïdal. Dans cet objet, dans cette tour hélicoïdale, il y a une cavité au centre dans laquelle il y a le génome du virus. Ce qui est intéressant là-dedans, c'est d'une part que ça se fait tout seul. Ces objets, les briques en question, se mettent automatiquement ensemble pour générer l'objet final. De plus, ça a l'air magique, mais ça ne l'est pas. Tout ce qui intervient comme phénomène pour fabriquer en bout de course le virus en question est compris. C'est de la chimie structurelle, de la chimie organique, c'est de la chimie, de la physico-chimie. Et toutes les étapes peuvent être comprises. En quelque sorte, si l'objet est constitué de façon correcte, et si les interactions entre les objets se font de façon correcte, correcte voulant dire dirigé vers un certain but, enfin, disposé de sorte à générer l'objet final, automatiquement, ça s'assemble et ça forme l'objet final. On y a donc, dans cette auto-organisation, une espèce de programmation à nouveau, où les composants, les briques de base, portent l'information, et c'est l'interaction entre ces briques de base qui donne lieu à l'objet final et qui donne lieu à l'auto-organisation avec la génération de l'objet final, du virus final dans ce cas-là. Alors ça a été, pour donner juste un exemple que l'on peut faire en laboratoire, parce que du point de vue biologique, nous savons que nous sommes, nous, auto-organisés. Nous sommes le résultat d'une auto-organisation très très complexe, mais c'est ça. On peut en laboratoire essayer au moins de décortiquer certaines étapes, et progressivement des étapes de plus en plus complexes. Essayons juste un exemple. Si on considère des briques moléculaires formées de molécules, donc des molécules capables d'interagir avec des ions métalliques qui forment le ciment, on peut utiliser les principes de l'interaction d'une molécule avec un ciment connecteur, et de cette façon générer des objets plus complexes. Par exemple,
On peut faire des hélices, des doubles hélices ou même des triples hélices en utilisant des molécules qui sont taillées sur mesure et qui sont liées les unes aux autres par adhésion métallique. Ici, on ne les voit pas, là, vous les voyez. Le truc jaune, là, c'est les ions métalliques qui maintiennent les brins ensemble. On peut, de la même façon, fabriquer aussi des objets qui ressemblent plus à un circuit électronique, quelque chose qui ressemble à des grilles que l'on assemble à partir de molécules qui ont une forme de barrette un peu, avec des points, des endroits où les ions métalliques peuvent s'insérer, et quand on choisit bien les molécules et les ions, automatiquement ça s'assemble pour faire des espèces de circuits où sont disposées des molécules disposées verticalement et horizontalement. Par exemple, voilà un exemple où l'on a 6 molécules, 3 horizontales, 3 verticales et 9 points d'interaction, évidemment, 3 fois 3. Un exemple pour montrer que l'on peut fabriquer des choses un peu plus compliquées, comme des nanocylindres, c'est constitué de la façon suivante. Il y a 3 molécules en rouge qui sont des molécules linéaires, 4 molécules en bleu qui sont des molécules planes, et qui sont connectés par ces petites boules représentées en jaune, qui sont des ions métalliques de cuivre. Et vous mélangez simplement 3 molécules linéaires avec 4 planes et avec 12 cations, et automatiquement, vous assemblez l'objet qui est à droite. Ça, ce sont des exemples qui datent maintenant déjà d'il y a 15 ou 20 ans, mais il y a des choses beaucoup plus compliquées qui ont été faites et qui montrent que progressivement, on arrive à reconstruire en laboratoire des objets qui s'organisent spontanément en des architectures de plus en plus complexes. On est encore loin des architectures de ça. Il y a certaines qui ressemblent des architectures biologiques, d'autres qui sont encore loin de cela, et qui permettent d'ailleurs aussi de faire des objets auto-organisés qui sont extrêmement complexes et qu'on n'aurait pas pu faire par une approche qui serait une approche pas à pas. Et cette auto-organisation, ces systèmes chimiques programmés, consiste à essayer de réaliser une génération qu'on peut appeler spontanée mais contrôlée d'architecture supramoléculaire. C'est aussi intéressant pour les nanosciences et les nanotechnologies, puisque actuellement, tout ce qui se passe, tous les éléments d'un ordinateur sont fabriqués. Il faut les faire. Et évidemment, dans le futur, on peut se dire, si on arrive à comprendre suffisamment bien comment les objets s'assemblent, on va peut-être arriver à faire en sorte que on n'a pas besoin de faire toutes les étapes, mais en concevant bien l'objet de départ et les différentes étapes de l'auto-organisation, on peut passer directement du besoin de fabriquer des objets à l'auto-fabrication, c'est-à-dire une espèce de fabrication utile, mais c'est la chose se faire. Évidemment, il faut comprendre les étapes, il faut que chaque étape résulte l'une de la précédente, etc. Les étapes vers la matière complexe, on a donc parlé de la chimie moléculaire. On a abouti de là à la chimie supramoléculaire, de la molécule aux assemblées de molécules. Ces assemblées de molécules peuvent s'auto-organiser et une évolution actuelle sur laquelle je ne veux pas insister, c'est d'aller encore un pas plus loin, de faire des objets chimiques qui peuvent s'adapter, évoluer. C'est-à-dire de faire des auto-organisations qui, si les conditions changent, par exemple, vous chauffez, vous changez de milieu, vous rajoutez quelque chose et s'adapter à ce que vous avez fait. Et ça, c'est évidemment l'étape d'après, qui est de faire des systèmes qui peuvent s'adapter et évoluer. Je passe là-dessus, pour ne pas être trop long, mais c'est une tendance actuelle, du moins dans mon laboratoire, d'essayer de comprendre comment construire des objets chimiques qui peuvent s'adapter et répondre à des sollicitations extérieures. Je voulais insister sur la fin, sur certaines caractéristiques. Je vous ai montré comment progressivement les sciences chimiques se sont construites, comment aussi on peut générer des objets de plus en plus complexes, et en même temps, comment on pénètre ce fait dans l'intimité de la matière, en quelque sorte, où l'on peut recomposer l'objet, fabriquer des objets nouveaux qui n'existaient pas auparavant, avant qu'ils aient été faits. Dans le monde qui nous entoure, il y a énormément de molécules. Mais il n'y a pas toutes celles qui sont concevables. Et vous pouvez faire beaucoup d'autres, il y en a beaucoup d'ailleurs chaque année, qui sont fabriquées, qui sont des molécules qui ne se trouvent pas dans le milieu naturel. Donc on peut dire que le livre de la chimie est plus complexe que simplement un livre qu'il faut lire.
il faut l'écrire. De même que la partition de la chimie, il faut la composer, pas seulement la chimie. Je reviens à c'est comme l'artiste qui, de la pierre, sort une sculpture qui n'était pas contenue. De cette façon aussi, le chimiste, utilisant les pierres données par le tableau périodique, donc par l'univers, les briques de base, peut faire exprimer à partir de ces briques un nombre de constructions toutes neuves qui sont vraiment des créations, de la même façon qu'un objet d'art est une création de la part d'un ou d'une artiste. On peut donc dire que la chimie est aussi un art de la matière. Ceci, cette possibilité d'agir sur ce qui nous entoure, avait déjà été perçue il y a fort longtemps. Il y a une phrase de Léonard de Vinci qui est assez extraordinaire, je dois dire, pour ceux qui lisent l'italien, lisez haut, sinon en bas. Là où la nature cesse de produire ses propres espèces, l'homme, en se servant des choses naturelles, disons avec les éléments du tableau périodique, des briques de l'univers, en accord avec cette nature même, avec des lois de la physique, avec des lois qui régissent les interactions entre ces objets, et alors la fin est très forte, commence à créer une infinité d'espèces. Toutes les compositions sont à disposition, mais ils doivent obéir bien sûr aux lois de base, mais il y a cette possibilité de créer tout ce qui n'est pas encore, qui n'existe pas encore. La science est prométhéenne, et c'est Prométhée qui nous a apporté le feu. Il a volé le feu aux dieux et l'a apporté aux êtres humains. Il a conquis le feu, mais nous ne pouvons pas le rendre. C'est-à-dire que notre chemin part de l'arbre de la connaissance et il aboutit au contrôle de notre destinée. Ce que nous avons appris, nous ne pouvons pas le rendre et ça va pouvoir nous servir à contrôler notre propre destinée. Nous ne sommes plus nécessairement liés à l'évolution imposée par l'évolution darwinienne, mais nous pouvons intervenir directement sur cette évolution. Et important aussi est que nous ne pouvons pas rendre les connaissances que nous avons acquises. On les a, il faut vivre avec, il faut les utiliser. Lucas Cranach, que vous connaissez peut-être, un grand peintre médiéval allemand, à l'époque on peignait beaucoup de quoi ? De paradis. Et qu'est-ce qu'il y a dans le paradis ? Il y a notamment Ève. Voilà une Ève de Lucas Cranach. Pourquoi je te la montre ? Il a osé cueillir le fruit défendu. C'est la naissance de la science. En science, on essaie de connaître. Il n'y a pas d'interdit dans la connaissance. Donc, son utilisation, c'est autre chose. Dans sa connaissance. Et donc, mesdames, vous êtes des premiers scientifiques. Les premières scientifiques. Dans le passé, la connaissance est faite de cette façon-là. Dans le présent, ça va trop vite. Le présent, il y en a que vous le reconnaissez là, je pense. Dans le futur, peut-être savon. Le savon, mais évidemment, c'est un peu. Bon, c'est un peu illustrer les choses, mais nous sommes déjà modifiés. Il y a beaucoup de gens qui ont des prothèses. Un certain nombre de personnes dans la salle ont peut-être une prothèse d'orge, ont peut-être des dents. Nouvelles, artificielles, ou peut-être un cristallin qui a été implanté. Et on a aussi des implants cardiaques, etc. N'est-ce pas? Et je crois qu'on est déjà en train de se modifier, évidemment, jusqu'où on peut aller, mais je pense que dans le futur, de plus en plus, il y aura ce mélange. Ça ne va pas être aussi métallique que ça, et d'ailleurs ça va être beaucoup mieux, parce qu'on comprendra mieux la façon dont il est fait, dont se développe l'organisme, un organisme vivant, pour utiliser les briques biologiques elles-mêmes, et pas simplement des briques métalliques qui sont, dans ce sens, du niveau zéro de l'implantation. Au début, comme je vous avais déjà parlé,
Sapiens. Après, qu'est-ce qui se passe après? Alors, en général, à ce stade, je demande aux personnes de moins de 18 ans de sortir de la salle. Bon, j'espère qu'on n'en arrivera pas là, mais c'est juste un mot pour insister sur le fait que nous allons nous transformer, nous allons avoir la possibilité de le faire. La question est de savoir aussi quoi faire, comment le faire, dans quel but. Je voudrais terminer par les mathématiques. On n'a pas parlé beaucoup de mathématiques, sauf compter 1, 2, 3, 4, 5, ce qui est un peu le niveau 0 des mathématiques. Un très grand mathématicien allemand, David Hilbert, est enterré à Göttingen, et sur sa pierre tombale, il a une inscription. Voilà, ici. Ça va venir, je montrerai un peu mieux que ça. Qu'est-ce qui est écrit? Bien, plus une bis, nous devons savoir. C'est pas tout. En dessous. C'est une affirmation très forte, mais un peu c'est ce qui nous pousse en faisant de la science. Nous devons savoir et nous sommes. Et un peu de l'arbre de la connaissance jusqu'à Prométhée qui grandit le flambeau des connaissances. Nous serons, et je crois que nous sommes, en tant qu'être humain, en tant que scientifique, en termes de toutes nos occupations, nous allons contribuer, je pense, à essayer de savoir qui nous sommes, ce que nous faisons là, et d'agir sur ce que nous allons devenir. Merci. Dans le cycle des conférences scientifiques de Néoul, la prochaine conférence aura lieu le 17 avril. Ça sera Madame Thibault qui est la directrice des sciences pour l'environnement au CNRS et qui viendra nous parler de l'interaction climat-homme. Elle est la spécialiste des pollens et des charbons fossiles. Et la conférence d'après, qui aura lieu sans doute au mois d'octobre, là on n'a pas encore la date, sera proposée par le président de l'Académie des sciences, Bernard Meunier, qui viendra nous parler des derniers développements sur la recherche sur le paludisme.